Dimanche matin, place Flaget, Cyril est en route pour participer à la célébration de la messe dominicale. Cyril est un jeune diacre, mais il est aussi séminariste au grand séminaire de Namur. Une partie de la semaine, il y suit des cours, et le reste du temps, il est en stage dans cette paroisse bruxelloise. Cyril, les moments de stage sont importants dans votre formation. Oui, tout à fait. C'est les moments en fait, où on est vraiment plongé dans la vie paroissiale, plongé dans la vie des fidèles. Et c'est là où on touche vraiment le concret de notre formation. Et c'est un des piliers qui est essentiel pour ne pas être déconnecté de la réalité ecclésiale et de la réalité du terrain. Est-ce que vous pensez dans la vie d'aujourd'hui que les prêtres ont encore une place dans les paroisses ? En tout cas, c'est le constat que je fais. C'est que les gens ont besoin et recherchent des conseils auprès de personnes qui consacrent leur vie à Dieu. Et donc je suis intimement convaincu que le monde d'aujourd'hui a besoin de prêtres et de jeunes qui s'engagent, que ce soit dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée, et à côté aussi des couples qui sont le pilier de l'Église et de la famille. Aujourd'hui, 17 séminaristes suivent leur formation de futurs prêtres au grand séminaire de Namur. De l'Eucharistie en dehors de la messe, comment allez-vous le mettre à profit, ainsi que le lectionnaire ? Depuis 2010, tous les diocèses francophones s'y sont regroupés pour proposer à ses étudiants une formation la plus complète possible. Un parcours particulièrement long, puisqu'il dure 7 ans. Et donc ça peut paraître, et c'est effectivement un parcours long étalé sur plusieurs années, avec, du moins chez nous, hein, une année de propédeutique, hein, d'enracinement dans la vie spirituelle, et donc de départ sur le chemin préparatoire à l'ordination, 2 années de philosophie, et alors viennent après les 4 années de théologie, avec au terme une année plutôt pastorale, au cours de laquelle se vit notamment l'ordination diaconale. Donc un parcours, un cheminement long, mais qui au regard des exigences donc de la vocation et qui au regard de l'engagement du candidat envers l'Église et de l'Église envers le candidat, eh bien se justifie. Ça va, donc humanisme chrétien, protestantisme et alors Concile de Trente. Que vous apprennent ces années de formation ? Ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, je dirais que globalement, ces années de formation, elles nous apprennent à nous donner complètement pour la mission qui nous sera confiée. On ne sait pas encore laquelle exactement. Mais alors, à côté de tout l'aspect des études, de philosophie, de théologie qui apprennent beaucoup de choses, il y a aussi toutes les autres dimensions qui sont importantes dans la formation d'un prêtre, la formation humaine, la formation spirituelle, évidemment. On nous apprend à être ancré, à avoir une vie de prière, parce que c'est la clé du succès de tout apostolat. Voilà, donc c'est très important aussi. Les yeux fixés sur l'avenir, l'Église vit de ta mémoire. Ne laisse pas au long du jour nos vies manquer à la lumière. Comment voyez-vous votre mission ? Mon désir, c'est vraiment de rencontrer Jésus dans les autres, et donc où que soit le lieu de mission et le lieu où l'évêque m'appelle, je pense que ma mission, j'ai envie de la vivre à la rencontre du Christ et aider les gens à faire cette même rencontre avec le Christ. Ça ne vous fait pas peur ? Non, je suis pas du tout dans la crainte. On est dans une époque où de fait l'Église est peut-être moins forte qu'elle ne l'était dans le passé. Mais ça ne me fait pas peur, parce que c'est des très beaux défis et on fait des très belles rencontres. Et dans un contexte où les gens, finalement, ont de moins en moins de connaissances sur les questions de foi. Et donc, c'est vraiment un beau défi, un beau challenge qui, moi, me motive. Au sein du séminaire, la vie communautaire est particulièrement encouragée.
C'est un lieu de partage et d'échange stimulant pour les étudiants et leurs formateurs. Moi, je désire être un homme de prière. C'est vrai que c'est ce qu'on apprend ici. Apporter le monde dans ma prière, le présenter à Dieu. Puis je désire aussi vivre une vie fraternelle, intense, je dirais, avec tous les baptisés, la communauté, les communautés qui me seront peut-être confiées si je deviens prêtre, mais aussi avec d'autres prêtres, quoi. Former une fraternité sacerdotale pour se soutenir dans la mission. Et je dirais que c'est le troisième point, c'est justement être missionnaire, quoi. Le monde a soif, je pense, d'entendre parler de Dieu, savoir que Jésus est notre sauveur, qu'il nous aime personnellement, chacun. Et ça, j'ai envie de l'annoncer au monde. Ouais.